dans cette petite séquence vidéo, au cours de laquelle nous allons parler du retrait du vaccin AstraZeneca du marché. Le vaccin AstraZeneca, c'est le groupe pharmaceutique qui a fabriqué ça, a retiré ce vaccin du marché. Je me nomme Simon-Paul Bambou-Ndobo. Je suis le ministre de la Défense de l'Afrique, ministre de la Défense du Peuple Noir, ministre de l'Éducation continentale de l'Afrique, ministre d'un monde multipolaire et ministre de la réciprocité dans les relations entre les États. Ils nous ont saoulés avec ça. Ils nous ont obligés. Si tu ne te fais pas vacciner, tu ne peux pas voyager. Si tu ne te fais pas vacciner, même ton salaire, on ne va pas te le donner. Beaucoup se sont fait vacciner. On ne sait même pas ce qu'on nous a mis dans le corps. On ne sait même pas ce qu'on... Et aujourd'hui, ils viennent nous dire qu'ils retirent du marché, ils le retirent du marché. Je vois des gens qui vont nous dire que vous êtes des complotistes, vous êtes des anti-vax. Ces gens qui disent ça, je vous dis par exemple, si vous, on vous dit ça, répondez-lui qu'il n'a pas d'argument. Ça, c'est des arguments des faibles, des gens qui ne peuvent pas argumenter. Il coupe court, il dit que vous êtes un complotiste. Vous êtes des anti-vax ou bien vous êtes des je sais pas trop quoi. C'est tout. Comme il n'a pas d'argument, il vous trouve un qualificatif. Les gens qui vous trouvent un qualificatif, c'est des gens qui n'ont pas d'argument. C'est des faibles dans l'argumentation. Voilà, ils n'ont pas d'argument, ils ne peuvent pas réfléchir, ils peuvent pas tenir un débat. Donc qu'est-ce qu'ils font? Ils vous trouvent un qualificatif et ils s'arrêtent là. Vous êtes un complotiste. Vous êtes un anti-vax, vous êtes... C'est tout. Si vous lui demandez d'argumenter, ils ne peuvent pas. Ils ne peuvent pas. Qu'ils viennent débattre avec nous. Ne venez pas nous dire que non, vous êtes un complotiste, vous êtes un... Moi, je vous dis, si vous, ceux qui sont contre, m'adresse à ceux qui sont contre, et qui vont nous qualifier de complotistes, d'anti-vax, venez, on fait le débat. C'est nettement mieux. Venez, on fait le débat, on va vous voir. On va voir vos arguments. Vous savez ce qu'ils ont dit? Les firmes pharmaceutiques, ils ont dit que le vaccin, les gens ne l'achètent plus. Donc, on le retire du marché. Voilà le motif. Ils ont dit, bon, on ne l'achète plus, donc on le retire. Mais si on n'achète plus un vaccin, vous êtes obligé de le retirer du marché. Vous n'êtes pas obligé de le retirer du marché. Moi, si je fabrique les baskets. Par exemple, les baskets. Et puis les gens n'achètent plus ces baskets. Mais les baskets que j'ai fabriquées, je les laisse sur le marché, mais je n'en fabrique plus, c'est tout, n'est-ce pas? Normalement. Ça, c'est comme ça qu'on réfléchit. Bon, j'ai fabriqué des baskets, des tennis pour jouer au basket, tout ça, et je mets ça sur le marché. Les gens n'en achètent pas. Et qu'est-ce que je fais? Si je suis convaincu que mon produit est bon, mes baskets sont bonnes, je n'ai pas besoin de les retirer du marché. Seulement, je n'en fabrique plus. N'est-ce pas? Je n'en fabrique plus puisque ça ne marche pas. Je n'en fabrique plus, mais les baskets que j'ai fabriquées, je les laisse sur le marché puisque je sais que le produit est bon. Et ils viendront nous dire, non, vous êtes des complotistes, vous êtes des anti-vax. C'est parce que ce n'est pas bon l'AstraZeneca, il n'est pas bon. Ce vaccin n'est pas bon. On ne sait même pas ce qu'on nous a mis dans le corps. Ce vaccin n'est pas bon. C'est la raison pour laquelle ils l'ont enlevé. Ils l'ont retiré du marché. C'est tout. Vous savez, il y a des plaintes en France contre cette firme pharmaceutique. Il y a des plaintes. On a trouvé des cas de thrombose, des effets secondaires avec ce vaccin. Il y a des gens qui sont morts. En Grande-Bretagne, que vous voyez, même en Grande-Bretagne, on a refusé de vacciner des gens avec ce AstraZeneca. Il y a eu des morts en Grande-Bretagne. Il retire ça parce que, en fait, en réalité, c'est parce qu'il n'est pas bon, le vaccin. C'est tout. Moi, je n'ai pas besoin
d'être biostatisticien. Si vous voulez, il nous donne les données. Moi, je ne suis pas biostatisticien, mais s'il me donne les données, je suis capable de voir les... Et il me donne comment les techniques pour homologuer un vaccin. Parce que, bon, moi, ce n'est pas mon travail, mais c'est leur travail. S'ils me donnent leurs données, ils me donnent la méthode pour homologuer un vaccin. Je vais vous démontrer, par... je n'ai pas leurs données, c'est tout. Moi, je n'ai pas ça. Je n'ai pas les données de AstraZeneca, voilà. Et je n'ai pas la méthode pour homologuer les vaccins, etc. Mais s'ils me donnent ça, moi, je lis ça un jour, deux jours, je fais une vidéo, je vous explique que c'est faux, que ce vaccin n'est pas bon. Mais en fait, c'est ça la réalité, c'est parce qu'il n'est pas bon qu'ils l'ont retiré du marché. C'est tout. Ce n'est pas parce qu'il n'est plus bon au marché, ce n'est pas parce que les gens n'en achètent pas. Mais même les Pfizer, certainement, tout ça, ils vont dire que ce n'est plus, ils vont le retirer du marché. Mais qu'est-ce qui ne nous dit pas que d'autres épidémies vont venir? Qu'est-ce qui ne nous dit pas qu'on peut encore avoir coronavirus, même si c'est sous une forme minime? Non, c'est parce que mais ça peut, ils peuvent conserver, n'est-ce pas? Ils conservent ça dans des frigos, dans le froid, etc. Est-ce que ça a occupé toute la place? Est-ce que ça a occupé toute la place? Ça empêche qu'ils puissent produit d'autres vaccins et puis non, des problèmes de stockage. Est-ce qu'ils ont des problèmes de stockage? Voilà, c'est ça. Est-ce qu'ils ont des problèmes de stockage? Ils n'ont pas de problème de stockage. Ça, j'en doute. Je doute qu'ils aient des problèmes de stockage. Donc, il faut qu'on retire du marché. Donc, ça veut dire qu'ils vont les détruire. Donc, même si vous voulez les détruire, vous n'avez pas besoin d'annoncer que vous les retirez du marché. C'est parce qu'effectivement, il y a des plaintes contre eux. Il y a des plaintes contre cette entreprise. Il y a eu des effets secondaires. Il y a eu des gens qui sont morts. Donc, ils sont au tribunal. Donc, c'est pour montrer que, c'est pour dire, bon, voilà, nous sommes désolés de ce qui vous est arrivé. Nous retirons notre produit du marché. Donc, comme ils veulent se cacher, et dire que leur produit n'est pas... Non, ils disent que non, c'est parce que ça ne marche plus. Ils nous prennent... Parce qu'ils pensent que nous, on ne réfléchit pas. Eh bien, voilà. On nous a imposé ça en Afrique. Il y a même des pays où on a dit, si tu ne prends pas, tu ne te fais pas vacciner, tu n'auras pas de salaire. Eh, mon Dieu, qu'est-ce qu'on nous a mis dans le corps? Vous voyez, maintenant, on a toutes sortes de maladies. Hein. Toutes sortes de maladies, depuis qu'on nous a mis ces poisons-là dans le corps. On a toutes sortes de maladies. Toutes sortes de maladies, mais non, je ne comprends plus moi-même ma tête. Voilà, on est venu nous imposer des choses. Eh bien, voilà, nos faux présidents nous les ont imposés. Nos faux présidents, des laquais des Occidentaux, nous l'ont imposé. Voilà, ils ont retiré du marché. Ils ont retiré du marché parce qu'il n'est pas bon, c'est tout. La véritable raison, c'est parce qu'il n'est pas bon. Il n'est pas bon. Qu'ils me présentent leurs données et la méthode d'homologation des vaccins. Moi, je vais leur démontrer qu'il n'est pas, parce que je n'ai pas ces données, c'est tout. Mais je sais qu'il y a des plaintes dans des tribunaux en France, au Royaume-Uni, et qu'il y a eu des morts, et qu'il y a eu des cas de thrombose, qu'il y a eu des effets secondaires. C'est pourquoi ils donnent la garantie à ces gens qui leur ont porté plainte que, bon, on va retirer ça du marché. Et peut-être qu'on va vous donner des compensations. Voilà, on va vous dédommager. Donc, ça c'est un arrangement. C'est sûr que c'est un arrangement par rapport aux plaintes qu'ils ont reçues. C'est ça. Ils pensent que nous on est des bébés, 8 ans, nous on n'a pas un cerveau pour réfléchir. Ce vaccin, en tout cas celui-là, je ne peux pas pour le moment me prononcer sur les Pfizer parce qu'ils ne l'ont pas encore retiré du marché. Mais AstraZeneca n'est pas bon. Il n'est pas bon. Il n'est pas efficace. En tout cas, il y a autre chose là-dedans, peut-être qu'ils voulaient mettre dans le corps des gens. En tout cas, nous sommes des complotistes, merci. Nous sommes des anti-vax, merci. Venez, on va débattre. C'est mieux le débat. 30 minutes, vous ne tiendrez pas. Si vous dites qu'il y a un débat, moi, je vais chercher la méthode d'homologation des vaccins. Je vais chercher des données de ces vaccins-là. On ne va pas faire un débat. Et je vais prendre la liste de toutes les plaintes, parce qu'on peut trouver ça sur les réseaux sociaux, sur Google, sur Internet. Toutes les plaintes qu'il y a en France, sur AstraZeneca, tout en Grande-Bretagne, aux États-Unis. C'est sur les sites Internet, on va trouver ça. Les différents cas de thrombose, les témoignages, je vais chercher ça. On va faire le débat. 30 minutes, vous ne tiendrez pas.
Les gens qui disent que vous êtes des complotistes et des anti-vax, c'est parce qu'ils n'ont pas d'argument. Ils n'ont pas d'argument, donc c'est des faibles. C'est des faibles. Donc ils vous trouvent un qualificatif pour vous dire, ben tiens, vous êtes des anti-vax, vous êtes des complotistes, c'est tout. C'est un débat, un plateau. Ils ne tiendront pas 30 minutes avec moi. Je leur dis, venez, on va débattre. Il n'est pas bon ce vaccin, c'est pourquoi ils l'ont retiré. La raison qu'ils ont annoncée, qu'ils ont avancée, c'est une fausse raison. Parce qu'on n'achète plus. On n'achète plus. Mais si on n'achète plus, tu n'en fabriques plus, c'est tout. Tu gardes ça dans ton appareil. Si tu veux les détruire, tu les détruis toi-même. Tu n'as pas besoin de dire officiellement que tu le retires du marché. Tu n'as pas besoin. Ça veut dire qu'il y a une autre raison, il y a une pression qui te fait le dire en public. Nous avons beaucoup de marques de Nike. Les tennis Nike des États-Unis. Il y a les Nike Air, les Nike, les Reebok Pump. Mais ils ne sont jamais passés à la télévision pour dire qu'ils retirent telle marque du marché. Quand ils voient que la marque ne marche pas, même les voitures, prenons les voitures. Voilà, très bien, voilà les voitures. Volkswagen, n'est-ce pas, on a retiré une fois Volkswagen du marché. N'est-ce pas Boeing lui-même, il y a des Boeing, des numéros là de Boeing qu'on a retiré du marché. Pourquoi? Parce que les avions là avaient des problèmes, n'est-ce pas? Parce que Volkswagen là, la marque avait des problèmes. Vrai ou faux? C'est tout. Volkswagen, c'était au niveau des airbags. Vrai ou faux? Ils ont retiré ça du marché. C'est comme ça. Voilà des exemples. Boeing et Volkswagen. Il y a des marques, des séries de Volkswagen qui ont été retirées du marché et même de Boeing qui ont été retirées du marché. Pas parce que il n'y a pas de clients, mais parce que ces voitures-là et ces avions-là ont des problèmes. Donc, si on les prend, bonjour les dégâts, bonjour les accidents. C'est pourquoi on les a retirés du marché. Même chose pour AstraZeneca. Nous, on a plus 5 ans. On ne peut pas nous tromper. Celui qui va nous tromper, il n'est pas né. Il n'est pas encore né. C'est la fin de cette petite séquence vidéo. Je remercie pour votre attention et à très bientôt.